Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite séance de yoga. Alors je vous invite à vous mettre sur les tapis, pieds écartés largeur de bassin, et on va passer les deux mains ici sur le ventre. On va commencer par une respiration ventrale. Sur une inspiration, je gonfle le ventre. Quelques secondes. Je bloque la respiration quelques secondes. Et j'expire quelques secondes. Je bloque quelques secondes et à nouveau j'inspire. Gonfle le ventre, on bloque quelques secondes. On expire, on vide le ventre. On bloque quelques secondes la respiration. Une dernière fois, inspire, gonfle le ventre. 3, 4 secondes, on bloque. On expire quelques secondes. On bloque. Et on relâche. Ok, reprenez une respiration normale. Je viens passer ici les deux mains sur les hanches. Je vais fléchir les genoux. Et je vais venir faire des bascules de bassin. Pour commencer, je vais faire une antéversion. Je vais venir pousser le bassin en arrière. Cambrer le bas du dos. Et je vais souffler, je vais faire la rétroversion, je bascule le bassin cette fois-ci vers l'avant. Je creuse le ventre et j'arrondis le bas du dos, je serre les fessiers. À nouveau, antéversion, je fléchis bien les genoux, je sors les fesses derrière, je creuse le bas du dos. Je mets le profil pour que vous voyez bien en bas la cambrure, parfait. Et je souffle, je fais ma rétroversion. Je bascule le bassin vers l'avant, je creuse le ventre et j'arrondis le dos. Fais ça une dernière fois. Allez, antéversion. On rentre le ventre, on creuse ici derrière. Et on souffle. Rétroversion du bassin. Et je me redresse. Je reviens en position neutre au niveau du bassin. Parfait. Ensuite, on va enchaîner sur la posture de l'arbre. Sur une inspiration, j'amène plante de pied droite au niveau du genou, voire un petit peu plus haut si vous êtes à l'aise. Et je viens presser paume de main au-dessus de la tête. Inspirez, soufflez, ramenez doucement les mains au niveau de la poitrine. Les coudes écartés, les épaules basses. On recommence, on inspire, on monte les bras par les côtés. On joint les paumes de main au-dessus de la tête. Expire et je ramène doucement les mains à la poitrine. Une dernière fois, inspire. Presse les paumes de main au-dessus de la tête. Expire, ramène doucement la poitrine et relâche ensuite. On relâche les bras, on relâche la jambe, on détend un petit peu les jambes, on secoue devant. Et on va faire pareil ici avec pied gauche. Inspire, ramène plante de pied au niveau du genou. On presse les paumes de main au-dessus de la tête, on cherche son équilibre. Sur l'expire, je ramène doucement les mains à la poitrine. On reprend, on inspire, on monte par les côtés. Presse les paumes de main au-dessus de la tête. J'expire. Je ramène poitrine. Une dernière fois. Inspire. Expire. Écarte les coudes. Ramène poitrine. Et relâche les jambes, relâche les bras. On secoue, on détend un petit peu. Parfait. Pour la suite, je vais passer au sol. En position quatre pattes ici, les deux mains sous les épaules, les deux genoux sous les hanches. Sur une inspiration, je vais venir faire la posture de la vache. Je viens creuser le bas du dos, sortir les fesses. En antéversion, lever le menton, tirer vers les épaules en arrière. Expire, rétroversion du bassin, je rentre le menton, je pousse très fort sur les mains. Pour la posture du chat. Et recommence. Inspire. Dos creux. Antéversion du bassin. Tire bien les épaules en arrière. Lève le menton. Sur l'expire. Le dos rond. Posture du chat. Je pousse très fort sur les mains. Rétroversion bassin. Dernière fois. J'inspire. Dos creux. Je creuse bas du dos, je lève le menton,
je rentre le menton, je pousse très fort sur les mains. Rétroversion du bassin. Je reviens en position neutre, avance un petit peu les mains au sol et étire le dos. Posez le front sur le sol, trois respirations avec le ventre. La posture de l'enfant. Sur l'inspiration, je gonfle le ventre. Sur l'expiration, je vide le ventre. Encore une fois. Parfait. Ensuite, ici, j'avance le bassin. Je serre le ventre. Je viens faire une planche sur les genoux. Et je vais descendre tout doucement en pompe pour venir le mettre sur le sol. Ici, je vais poser les avant-bras au sol, les paumes de main au sol. Et pour la posture du sphinx, ici, je vais redresser le buste et regarder devant moi en cherchant à abaisser les omoplates dans le dos. On reste trois respirations. Doucement. On se rallonge, on place les mains de chaque côté de la poitrine. Cette fois-ci, on va monter un peu plus haut pour le cobra. Serrez les coudes en arrière. Descendez bien les épaules. Je regarde devant. Trois respirations. Et je souffle et je redescends. Troisième position. Chien tête en haut. Cette fois-ci, je vais tendre les bras. Soulevez mon bassin, soulevez mes genoux, je suis en appui sur le dos du pied, je lève le menton, je tire les épaules en arrière. J'essaie de maintenir quelques secondes, si ça devient difficile, je pose les genoux. Parfait, on pose les genoux maintenant, on accroche les orteils au sol et chien tête en bas. Très important, je repousse très fort sur les mains pour venir aligner les bras et le dos. Je redescends les talons derrière vers le sol. Trois respirations. Et je repose genoux au sol. Je relâche les fesses sur les talons, posture de l'enfant. Respiration ventrale. Écartez un petit peu les genoux. Et mettez les gros orteils en contact derrière. Lâchez bien les épaules, les coudes. Parfait. Tout doucement, je ravance le bassin. Comme tout à l'heure, je me place en position de planche, le ventre serré. Je descends ma pompe. Je travaille les triceps en mouvement excentrique. Je viens placer les avant-bras au sol devant moi. Et pour le sphinx, ici, je redresse le buste, je regarde devant moi. Si vous êtes à l'aise, éventuellement, vous pouvez chercher à tendre les bras repoussés ici sur le sol. Je tire les omoplates vers le bas. Je respire trois fois. Je me rallonge. Je place les mains juste sous la poitrine. Je pense à bien serrer les coudes. Pour le cobra, je repousse le sol à nouveau. Je regarde devant moi. Trois respirations. Ne forcez pas sur les poignets. Allez au bout des expirations. Cherchez du relâchement. Redescendez doucement. Et la troisième posture, le chien tête en haut, je repousse complètement ici, bras tendus, je soulève les genoux, je lève le menton, je tire bien les omoplates vers le bas. Et je respire profondément. Je pose genoux au sol, j'accroche les orteils et là je viens faire chien tête en bas. Je repousse très fort sur mes mains,
Je redescends les talons derrière la balle au sol. J'essaie d'aligner bras, dos. 3 respirations. Je pose genou au sol. Et je viens reposer les fesses sur les talons derrière. Je pose le front sur le tapis. Et 3 respirations avec le ventre. J'inspire, je ronfle. Et j'expire, je vide. Cherchez du relâchement dans les épaules, dans le dos, dans les muscles des jambes. Ensuite, je vais dérouler ma colonne, lombaire, dorsale, cervicale. Restez dans votre position, moi je fais demi-tour. Pour être du bon côté, on va venir ici, poser le pied droit devant, placer main sur le bassin, inspirez, soufflez, avancez votre bassin. On va sentir l'étirement ici, sous la cuisse, et derrière au niveau du quadriceps et du psoas iliaque. Inspirez ici, soufflez, repoussez les hanches en arrière, soulevez les orteils devant en flexion et inclinez le buste vers l'avant. Essayez de garder le dos à peu près droit, on ne relâche pas les épaules. On sent bien la poitrine et on recommence. Je pose le pied, j'avance le bassin. On sent bien l'étirement en haut de la cuisse, de la jambe arrière ici, cuisse gauche. Inspirez, soufflez, repoussez les hanches en arrière. Jambes tendues devant, les orteils en flexion, le dos droit. À nouveau, dernière fois, pose le pied, descend les hanches. Souffle bien sur la descente. Et je souffle et je vais chercher derrière. Je pousse les hanches en arrière, j'essaie de bien ouvrir la poitrine. Parfait, pour la suite je repose mon pied ici, je viens croiser ici, main opposée, donc main gauche sur le genou droit, je viens prendre appui sur mon genou, je tire ici pour faire ma torsion, et on va venir libérer ce bras là, on va l'amener devant soi, la tête va suivre le mouvement du bras, donc bras droit devant, j'inspire, et sur l'expire je vais faire un grand mouvement d'ouverture ici pour faire ma torsion, je vais tourner la tête pour toujours suivre le mouvement du bras. Descendez bien les hanches, c'est important, pas de fesses en arrière. Inspire, expire, on referme la porte. On fait ça encore 2 fois. Inspire et souffle. Ouverture de la porte, je tourne la tête. Expire, referme. Encore une fois. Je souffle, je fais ma torsion. Et je souffle et je reviens. Ok, super. On repousse ici sur la jambe. On ramène le pied derrière et on change. Donc, pied gauche devant. Restez du même côté, je retourne ici. Pied gauche devant, je viens mettre main droite. Excusez-moi, dans un premier temps, on garde main sur les hanches ici. Et on va souffler, on va avancer le bassin. Avant de faire une torsion, on fait dans l'axe. On inspire et on souffle, on repousse le bassin en arrière. On redresse les orteils, jambes tendues devant, le dos droit. On sent bien l'étirement sous la cuisse et dans le mollet. On recommence, on souffle, on avance le bassin. N'hésitez pas à appuyer un petit peu avec les mains ici dans le creux des reins pour bien avancer le bassin. On repousse derrière, deuxième fois. Encore une fois, j'avance le bassin. Et je repousse derrière. Je redresse les orteils en flexion. Je
reviens poser mon pied au sol. Et maintenant, je vais pouvoir faire ma torsion. Je viens croiser ici main droite sur le genou gauche. Je vais descendre un petit peu mon bassin. Et ici, l'autre bras, donc mon bras gauche, je vais libérer, je vais l'amener devant moi. J'inspire. Et sur l'expire, je vais venir tourner ici, faire ma rotation en ouverture, en descendant bien les hanches. Le regard suit le mouvement du bras. Inspire derrière et souffle, referme devant. Encore deux fois. J'inspire, je souffle et je coupe. Je souffle et je referme. Encore une fois. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je referme doucement. Je repose moi sur la cuisse. Je repousse sur la cuisse. Je ramène le genou au sol. J'écarte un petit peu les genoux, les orteils en contact. Et la posture de l'enfant. Le front sur le sol. Épaules relâchées, dos relâché. 3-4 respirations avec le ventre. On gonfle en inspirant. On vide en expirant. Parfait, je vais pouvoir tranquillement dérouler ma colonne vertébrale, lombaire, dorsale et cervicale. Pour la suite, on va venir s'asseoir ici. Je vais ramener talon fesse à droite et pied gauche devant. Je vais poser main gauche derrière moi. Et sur une inspiration, je vais venir pousser sur cette main gauche pour soulever mon bassin. Et amener bras droit au-dessus de ma tête. Je cherche à étirer le ventre, étirer le bras, étirer le haut de la cuisse. Je respire. 2-3 fois. Et je souffle. Je repose les fesses au sol. Et je relâche le dos. Essayez de poser les coudes, sinon posez uniquement les mains, relâchez la tête. Quelques respirations. Je déroule doucement la colonne vertébrale et je vais détendre la jambe droite qui était repliée derrière. Ici, je ramène bien mon pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Je me redresse, donc je viens prendre appui sur les ischions, les os qui se trouvent dans les fessiers. Et je viens étirer bras vers le plafond. J'inspire. Et là, je viens faire une flexion du buste en direction de la jambe. En gardant dos droit. Bras au-dessus de la tête, je lève un peu le menton. Je respire sans crisper les épaules, épaules basses. Et sur l'expire, je relâche complètement mon dos. Et je descends sur ma jambe. Quelques respirations. Et je déroule tranquillement ma colonne, lombaire, dorsale, cervicale. Je viens croiser main droite ici sur le genou gauche. Je regarde sur le côté gauche. Et j'inspire, je mon bras gauche au-dessus de la tête, je tire les doigts. Les doigts sont serrés, tendus vers le plafond. J'inspire et sur l'expire, je vais descendre de manière latérale en direction de la jambe droite qui est tendue au sol. Ramenez les orteils du pied droit en flexion. Regardez sous votre bras gauche, respirez. 2-3 fois. En gardant les épaules basses. Bien l'étirement entre les côtes au niveau de la taille des obliques. On vient ouvrir le bras ici.
ramener pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Je viens poser main droite derrière moi. Et sur une inspiration, je vais venir pousser sur main droite, soulever mon bassin. Étirer bras gauche au-dessus de la tête. Lever le menton. Sans crisper les épaules, essayer de bien monter le bassin. Pour bien étirer le psoas iliac en haut de la cuisse. J'expire, je redescends, je repose les fesses au sol. Et je viens reposer ici les avant-bras ou éventuellement les mains au sol. Je relâche la tête, je relâche le dos. Et je respire. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, je me redresse, je monte sur les os des fessiers et j'inspire, je monte les deux bras au-dessus de la tête. J'oriente mon buste en direction de la jambe gauche, je vais descendre d'abord le dos droit en direction de ma jambe, je repousse le bassin en arrière, je sors la poitrine, je lève un petit peu le menton pour garder ce dos droit. Quelques respirations. Et ensuite, je souffle et je relâche le dos, je relâche la taille. Relâchez bien les épaules. Quelques respirations ici. En relâchement. Sur l'inspire, je rappelle, on gonfle le ventre et sur l'expire, on vide le ventre. Puis je déroule mon dos. Lombaire, dorsale, cervicale. Je viens croiser ici la main gauche sur le genou droit. J'oriente les épaules vers la droite en légère torsion. Sur l'inspire, je monte bras droit au-dessus de la tête. Je tire les doigts serrés au-dessus de la tête. Et je vais descendre de manière latérale en direction de ma jambe gauche. Je ramène les orteils du pied gauche en flexion. Je regarde sous mon bras. J'étire bien entre les côtes, j'étire bien la taille, je respire profondément. Je vais ouvrir mon bras pour me redresser, pour remonter. Je vais tendre les deux jambes devant moi. J'inspire, je monte les deux bras au-dessus de la tête. Je descends dans l'axe d'abord, dos droit comme tout à l'heure en poussant les hanches en arrière. Je lève un petit peu le menton, sans crispation au niveau des épaules. Et pour la posture de la pince, je relâche complètement le buste en direction de mes jambes. Respirez profondément 3 fois. Cherchez du relâchement dans les bras, dans le dos. Dans les épaules. Je relâche, je déroule mon dos tout doucement, lombaire, dorsal, cervical. Tout doucement ici, ensuite j'amène les genoux au sol. Je vais passer en position accroupie. Sur les pieds, je pose mes talons et je vais dérouler la colonne vertébrale avec les genoux relâchés. Je remonte lombaire, dorsal, cervical. Je ramène les épaules vers l'arrière. Pour terminer, ici, je relâche bien l'épaule en arrière. Je vais écarter les pieds. Je vais inspirer, je vais presser paume de main au-dessus de la tête. Sur l'expire, je vais faire mon squat yogi, ça veut dire que je vais venir fléchir les genoux, pousser les hanches en arrière. Je viens ici presque m'asseoir, éventuellement caler les coudes à l'intérieur des cuisses. J'ai le dos bien droit, je suis de profil, restez de face. Ici, je pousse bien les hanches en arrière, j'ai les genoux au-dessus des chevilles. Et sur l'expire, je vais venir ici pousser bras
devant et arrondir le dos. Légère rétroversion au niveau du bassin. Je recommence. Inspire, amène les mains à la poitrine, regarde devant. Expire, repousse les bras devant. Les paumes de main toujours en contact. Rentre la tête entre les épaules et arrondis le dos. Dernière fois, inspire. On sent le travail dans les cuisses. Hein. Sors la poitrine. Et sur l'expire, je repousse le dos en arrière, je repousse les mains en avant. Reviens, on inspire ici. Remonte, repousse sur les jambes. Grandis-toi, inspire à fond. Expire, relâche les bras. On referme les jambes. Et ça sera tout bon pour aujourd'hui. Je vous remercie et à très très vite.